Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment formater ou réinitialiser son PC sous Windows 10. Il y a deux méthodes, là on va utiliser pour commencer la méthode via le bureau, ou après on peut aussi lancer une réinitialisation à partir du mode de débogage. Donc tout simplement, si on veut formater son PC parce qu'il a des problèmes ou pour le vendre, on va ici cliquer en bas à gauche, on clique sur paramètres, on va mise à jour et sécurité. Ici on va cliquer sur récupération, on a réinitialisé ce PC, on va faire commencer. Et donc là, il vous propose deux options, donc ou de conserver vos fichiers ou de tout supprimer. Si vous cliquez sur conserver vos fichiers, il va vous garder uniquement ce qui se trouve dans le dossier utilisateur, mes documents, mes images, et ainsi de suite. Si vous avez mis des données à côté, il vous les sauvegardera pas. Si vous voulez vendre votre ordinateur, vous faites cliquer donc sur supprimer tout. Voilà pour ce qui est de la version, on va dire, à partir du bureau. On va maintenant redémarrer en mode avancé. Donc en mode avancé, on va sur dépannage. Et ici, on a réinitialisé ce PC. Pareil avec les deux choix, donc supprimer tout ou conserver vos fichiers. Donc là, j'ai cliqué sur supprimer tout. Donc, le PC va formater en ne gardant aucune donnée personnelle. Quand on a choisi supprimer les fichiers, vous avez supprimé simplement mes fichiers ou nettoyé entièrement le lecteur. Si vous vendez votre PC, moi je vous conseille donc de nettoyer complètement le lecteur. C'est beaucoup plus long, mais vous repartirez sur une base saine. Et donc, on arrive à la question, parce qu'on peut toujours annuler, sauf là, si on clique sur réinitialiser, ça lancera donc le formatage ou la réinitialisation du PC. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt !